Hello everyone, I'm Anna Bondu from France. This week in this new From Prince to Project with Gel Press series, we will just take our brain and put it on the table. We only will have fun. We will play with our gel press, with texture, with paint, and we will create this fabulous rainbow collection of pattern. With these papers, we will create collage that you will see in the second part. This way to create paper for collage is very easy. Just watch. Naturally, all my comments will be in French, my native language, but you can have the subtitles by clicking on the CC button. Bye! Voilà, alors aujourd'hui nous allons préparer des fonds de papier qui vont nous servir dans la seconde partie à faire des collages. Donc pour ça je vais utiliser du papier fin, du papier machine. Je peux également utiliser du papier de soie. L'un ou l'autre, ça n'a pas grande importance. Mais pour ce que je vais faire aujourd'hui, je vais utiliser du papier machine. Donc, l'idée, c'est d'arriver à faire des pages qui me permettent d'avoir un échantillon de couleurs dans lequel je vais pouvoir piocher pour remplir mon collage. Donc là, en fait, on pose le cerveau et on y va à l'instinct. Donc l'idée, c'est que nous allons aller en progression dans les couleurs pour éviter d'avoir chaque fois à nettoyer le rouleau brailleur. Donc je vais d'abord commencer par mes couleurs chaudes, donc du jaune, peinture Dilution, du orange, du rose, j'ai du rose clair, Dilution, le orange et ce rose sont de Dina Weckley Paint. Et puis après j'irai dans les couleurs froides, vert, bleu. Alors désolé, j'ai eu un petit accident de tube de peinture. Voilà. Donc, commençons par le jaune. Donc, je vais mettre deux petites gouttes de jaune sur ma grande gel press. Et je vais travailler plutôt avec un pochoir parce que j'ai mis pas mal de peinture et j'aimerais ne pas la perdre. Donc, du coup, j'ai récupéré mon jaune. Et je vais récupérer celui-ci. Alors, je ne vais pas trop insister dans la manière de récupérer. Je passe juste un petit coup avec la main. Et là, donc j'ai une première empreinte qui est marquée sur le fond. Et je vais ajouter une petite gouttelette d'orange avec une petite gouttelette de jaune, de façon à faire se foncer un petit peu mon jaune. Je vais prendre une texture que je vais poser une.
Je prends une autre feuille et je caresse à peine pour récupérer ce fond-là. Vous voyez, on voit que le fond n'est pas complètement rempli. Ma gel presse n'est pas intégralement nettoyée. C'est exactement ce qu'il me faut pour pouvoir aller en progression. Maintenant, il me reste du jaune sur la plaque. Je vais juste remettre du orange. Et du coup, je n'ai même pas besoin de nettoyer mon rouleau brailleur. Allez, je vais remettre ce pochoir pour pouvoir éventuellement récupérer le jaune, mais au minimum ajouter de la texture. Et avant que la peinture sèche, je vais la récupérer d'une seule caresse. Et vous voyez, chaque fois, je me retrouve avec des fonds qui sont tout en douceur. Et donc, je continue. Maintenant, je vais ajouter un petit peu de rose. Donc, une goutte de rose, une goutte d'orange. Alors, ensuite, rien ne m'empêche de combiner avec mes couleurs froides maintenant pour récupérer cette partie qui était initialement du rose foncé. Donc là, je vais prendre de la peinture acrylique bleu turquoise très clair. Bon, là, je n'ai pour le coup vraiment pas assez appuyé, mais pour récupérer du coup ce fond-là, rien ne m'empêche de mettre une petite larme de peinture acrylique blanche. Et je ne veux surtout pas nettoyer l'intégralité de ma gel presse. Donc, je fais exactement de la même façon, et ça me permet comme ça de récupérer une partie de mon fond tout en ayant ce côté très léger. Le blanc, je le repose sur ma gel presse et je continue à progresser de cette façon là donc maintenant un petit peu de bleu pastel avec un bleu un petit peu plus soutenu. On peut aussi, pour ne pas perdre cette peinture, la redéposer par-ci par-là, récupérer aussi ce qu'il reste sur le rouleau s'il en reste. On laisse sécher juste un tout petit peu
Et puis on repart sur une couleur plus claire pour avoir une nuance intermédiaire. Et sur la dernière, en fait, je récupère tous les petits contours que j'avais laissés tout à l'heure. On peut essayer une ultime couche qui va nettoyer notre gel presse avec du blanc, simplement du blanc. Celle-ci ne m'intéresse pas, je ne la conserve pas. Celle-ci, je peux l'utiliser. Un jaune, un orange, un jaune orangé enrichi, un orange clair. Je vais peut-être les mettre comme ça. Du rose, du rose encore plus foncé, et je redescends en gamme vers le bleu. Voilà mon petit arc-en-ciel. Nous verrons dans la deuxième partie ce que nous allons en faire.